Monique et Augustin, une mère et son fils. Beaucoup connaissent le nom et l'histoire de saint Augustin, le libertin devenu docteur de l'Église au IVe siècle. Mais ils oublient souvent son pilier de conversion, sa mère Monique, qui a tant prié et pleuré pour lui durant ses années d'errance. Tagaste, Algérie 373. La nuit est tombée il y a bien longtemps sur la ville, et la plupart des habitants dorment paisiblement. Pourtant, une lueur persiste dans la maison du fonctionnaire Patricius. Seule dans sa chambre, à la faible lumière d'une lampe à huile, Monique est recroquevillée et sanglote dans les draps de son lit. La colère virulente avec laquelle elle a jeté Augustin, sa concubine et leur fils hors de chez elle il y a quelques jours est retombée, laissant place à un gouffre de tristesse dans sa poitrine. Son cœur est déchiré entre le regret d'avoir ainsi cruellement chassé son fils de chez elle et le désespoir de le savoir prêchant les préceptes creux et blasphématoires de la secte manichéenne. Depuis longtemps, elle sent l'écart grandissant entre son fils et l'enseignement de la foi chrétienne qu'elle lui a donné. Son libertinage et son goût pour le jeu en sont les preuves irréfutables. Mais jamais elle ne s'était imaginée qu'il tomberait si bas, si loin de Dieu et du Christ. La peur que l'âme de son Augustin soit perdue à jamais lui tord le ventre. Elle tente de prier, mais ses mots se transforment vite en appels désespérés. « Seigneur, que dois-je faire pour sauver mon fils de lui-même » répète-t-elle, incapable de formuler quoi que ce soit d'autre. Épuisée par l'émotion et le chagrin, Monique finit par s'endormir en répétant sa demande. Mais en rouvrant les yeux, elle se voit debout sur une règle de bois. Même dans son rêve, les larmes coulent toujours. Une voix l'interpelle alors. « Monique, dit-elle, pourquoi pleures-tu ? » Elle aperçoit en levant les yeux un être de lumière, d'une beauté époustouflante, qui lui sourit avec douceur. « Mon fils s'éloigne de plus en plus de Dieu, répond-elle, et je ne sais plus quoi faire. « Ne sois pas inquiète, lui dit l'être en pointant à côté d'elle. « Vois, ton enfant, il est là où tu te trouves. » Monique se retourne, et en effet, Augustin se tient quelques pas derrière elle sur la même règle. Puis elle se réveille en sursaut dans son lit, au moment même où une servante pénètre dans sa chambre, lui demandant si tout va bien. « Oui, je vais bien mieux, dit-elle. Envoie quelqu'un trouver mon fils et lui faire savoir qu'il peut reprendre sa place ici. » Quelques jours plus tard, de nouvelles larmes piquent les yeux de Monique. Augustin ne veut rien entendre de sa vision et tente même de tourner les mots de l'être de lumière à son avantage et celui des manichéens. Quelle tête de mule! Et face à son esprit si vif, le débat n'a pas duré. Comment peut-on être à la fois si brillant et si dérouté? C'est donc pour cela que Monique se trouve à l'église pour de nouveau prier et demander le salut pour son fils. Le souvenir de son songe l'empêche de désespérer, mais elle n'en reste pas moins démunie. Une main chaleureuse se pose alors sur son épaule et Monique sursaute. « Pourquoi pleurez-vous ainsi ?» Durant un instant, elle espère qu'il s'agisse de l'être de lumière, mais c'est l'évêque de Tagaste qui se tient là. Elle lui raconte ses tourments, alors que les larmes coulent toujours. Mais comme l'être de lumière, l'homme lui répond simplement. « Ne craignez rien. Il est impossible que périsse ce fils de tant de larmes. » Sur le chemin du retour, Monique s'interroge sur les mots de l'évêque, si semblables à ceux de son rêve. « Ne crains pas, lui a-t-on dit, par deux fois. » Par deux fois, Dieu lui a fait parvenir ce message. Elle sait une chose au moins, le Seigneur n'a pas l'intention d'abandonner son fils. Mais alors qu'elle entre chez elle, les serviteurs lui annoncent qu'Augustin a pris un vaisseau pour Rome sans prévenir. De nouveau, Monique pleure, mais si la colère et la tristesse lui brûlent le cœur, une lueur scintille au fond d'elle, alors qu'une nouvelle conviction prend racine. Peu importe la durée de son errance, peu importe le nombre de larmes qu'il lui fera verser, Augustin reviendra à Dieu. À travers ses larmes, elle ordonne aux serviteurs de préparer ses bagages.
Monique devra verser des larmes et prier pendant plus de 15 ans avant la conversion totale de son fils en 387, l'année même de sa mort. Le pape Pie V l'inscrit au calendrier liturgique au XVIe siècle. Elle est la sainte patronne des mères chrétiennes. On dit que par deux fois elle fut mère de saint Augustin, une fois pour le monde terrestre et une fois pour le ciel. Qui est sainte Monique ? Sainte Monique d'Hippone fut une femme douée d'une extraordinaire force d'âme et d'une foi inébranlable. À une époque où la femme était toujours reléguée à un rôle subalterne, obligée de vivre dans l'ombre de son mari, condamnée à l'oubli, sans considération pour ses vrais talents, ses capacités, cette femme exceptionnelle a su sublimer le rôle que l'histoire et la société lui avaient réservé en devenant un point de référence et un symbole pour les femmes et les mères à travers les époques. Imaginons un fils un peu casse-cou qui, au lieu de penser à son propre futur, à se trouver un travail sérieux, à cultiver des rapports constructifs avec son prochain, gaspille sa vie avec des divertissements futiles, entraînant dans le vice et la corruption, et avec des mauvaises compagnies plutôt délétères. Imaginons une mère, une femme chrétienne, restée veuve trop tôt, avec trois fils dont s'occuper et tout le poids des responsabilités sur ses épaules. Cela ressemble à une histoire comme beaucoup d'autres de celles que nous pouvons entendre tous les jours. Dans ce dernier cas, nous pourrons sûrement nous rendre compte de combien de courage, de force est nécessaire à une mère pour immoler sa propre vie, pour employer chaque instant de son existence uniquement aux soins et au bien-être d'un fils. Et nous ne pensons pas uniquement au bien-être du corps, mais également à celui de l'esprit, de l'âme, qui, surtout chez les plus jeunes, est constamment perturbée par des pensées et des sollicitations pas toujours compréhensibles même par eux. Monique sut être cette mère, pilier de sa famille, cœur et source de vie, la source de vie pour ceux qui gravitent autour d'elle. Dans la culture ancienne, dans quasi toutes les sociétés, être femme et mère représentait la plus grande aspiration et la pleine réalisation pour une femme. Sainte Monique était une femme d'ethnie berbère, appartenant à une famille aisée et dévouée à la foi chrétienne. Après s'être mariée selon le vouloir de sa famille, elle eut trois fils qu'elle éleva dans la ferveur de sa foi. Une foi si ardente et inébranlable que même son mari païen en fut contaminé jusqu'à se convertir au christianisme. Sainte Monique a été capable de dédier toute sa vie sur terre uniquement aux soins de ses enfants et d'un en particulier, saint Augustin d'Hippone, qui fut l'un des plus grands hommes de foi de tous les temps. Saint Augustin écrivit certaines des pages les plus belles et les plus intenses que la littérature ecclésiastique connaît, et pas seulement. Certaines de ces pages lui furent inspirées par sa mère. Incroyable à dire, c'est de lui que nous parlions il y a peu en mentionnant le fils casse-cou et la mère qui s'engagea jusqu'au bout pour le ramener sur le droit chemin. En effet, cet être exceptionnel, homme de Dieu, arriva à la foi après un long travail intérieur et une jeunesse dédiée aux excès, au libertinage, aux vices et même aux crimes. Sainte Monique n'empêcha jamais son fils Augustin de vivre sa vie. Malgré le fait d'être contrariée par certains choix du saint, elle fut capable de le laisser libre de choisir et de se tromper. Monique suivit Augustin dans ses pérégrinations autour de la Méditerranée, sans se laisser décourager par ses fugues, par ses mensonges. Il fit de tout pour se libérer de cette présence aimante et savante, en arrivant même à l'abandonner dans le port de Carthage, en s'embarquant pour l'Italie. Monique était à Carthage lorsque, en 383, Augustin décida, à son grand dam, d'aller enseigner à Rome. Augustin dut embarquer furtivement. Après avoir pesté contre la cruauté et les fourberies de son fils, Monique se résigna. Puis, au printemps de 385, elle se décida à braver les dangers de la navigation pour rejoindre Augustin, devenu entre-temps professeur de rhétorique à Milan.
Là, elle apprit avec soulagement qu'il s'éloignait du manichéisme et se persuada qu'il serait catholique avant qu'elle ne meure. Au cours de son séjour milanais, Monique apprit à connaître et à aimer Ambroise, l'archevêque de Milan, dont les paroles avaient rapproché son fils de Dieu. La fameuse scène du jardin de Milan marqua, en août 386, ce qu'il est traditionnellement convenu d'appeler la conversion d'Augustin. Monique fut immédiatement avertie de la décision de son fils de vivre désormais dans la continence. Même si ses espoirs de petits-enfants à naître d'Augustin étaient déçus, elle en rendit cependant grâce à Dieu. Le baptême d'Augustin eut lieu le 24 avril 387 à Milan. Saint Augustin. Peu sont les hommes de foi qui peuvent lui être comparés. Il mit sa sensibilité supérieure et son génie au service de la foi, en tant que prêtre, mais aussi en tant qu'orateur et écrivain, de certaines des pages les plus belles et les plus intenses que la littérature ecclésiastique et pas uniquement puisse citer. Africain de naissance, romain de culture et de mentalité, chrétien par éducation maternelle, il fut maître de rhétorique et de grammaire à Tagaste, Carthage et Rome. S'étant éloigné du catholicisme très jeune, et il suivit pendant une certaine période les manichéens, à la recherche de la vérité et de la sagesse auxquelles il aspirait à travers le rationalisme, le matérialisme et le dualisme enseignés par cette religion. Après sa conversion, il se révélera être un grand homme, un esprit élu, ayant trouvé la foi après un long travail intérieur. Et c'est peut-être la souffrance même de cette recherche qui rend sa réflexion si profonde, sa protection de l'orthodoxie si extrême. Ce n'est que dans un second temps, surtout grâce à la prédication de saint Ambroise, qu'Augustin arriva à la conclusion que le chemin pour atteindre Jésus passait par l'Église et par les textes sacrés. Une fois cette prise de conscience, il renonça à l'enseignement et au mariage et prononça ses vœux. Après de nombreux voyages, il s'établit à Hippone et fonda un monastère. Il devint ensuite évêque. Il conduit une vie sous le signe de l'ascèse en se dédiant à l'étude, à la théologie et à la prédication, mais aussi aux œuvres de charité pour les orphelins, les pauvres et les infirmes. Ces longs voyages l'amenèrent à présider de nombreux conciles et à s'ériger en tant que fier défenseur de la foi contre les hérésies. Les très nombreuses œuvres de saint Augustin d'Hippone parlent de la recherche de Dieu, mais toujours à travers la connaissance de soi, une réflexion profonde sur la nature humaine, sur l'éternité, le temps, la liberté et le mal. La doctrine morale qu'il prêche est une doctrine basée sur l'amour. Un amour qui émerge de ses œuvres de manière presque sensuelle, profondément et désespérément humaine. Orateur exquis, formidable maître de dialectique, il étudia les œuvres de ses adversaires tout en respectant la diversité des points de vue. Parmi ses écrits les plus importants, rappelons les Confessions, la Cité de Dieu, les Discours et les Lettres. Saint Augustin est encore aujourd'hui considéré comme un des pères de la spiritualité occidentale. Maître de foi et de vie, pasteur d'âme et inspirateur d'esprit affamé de connaissances et de beauté. Cette beauté supérieure qui, dans son esprit et dans ses œuvres, coïncidait avec Dieu. Afin de comprendre combien Saint Augustin était conscient de l'influence de sa mère dans sa conversion, il suffit de penser que suite à sa conversion, Augustin la voulait souvent à ses côtés lorsqu'il discutait de rhétorique et de philosophie avec d'autres savants. Non seulement sainte Monique prenait part à ses conversations érudites, mais de plus saint Augustin reporta dans ses écrits de nombreuses idées et propos de sa mère. De cette période d'intense échange spirituel, nous restent les mots de saint Augustin dans le chapitre 9 des Confessions. « Mon fils, en ce qui me concerne, plus rien n'a de charme pour moi dans cette vie. Que pourrais-je faire encore ici-bas? Pourquoi y serais-je? Je ne sais. Je n'ai plus rien à espérer de ce siècle. Une seule chose me faisait désirer de rester assez longtemps dans cette vie, te voir chrétien, catholique, avant ma mort.
Je suis plus que comblé dans ce que mon Dieu m'a accordé. Tu es allé jusqu'à mépriser les félicités de la terre, et je te vois son serviteur. Qu'est-ce que je fais ici ? Des mots prophétiques, ceux de Sainte Monique. Alors qu'elle s'apprêtait à embarquer pour retourner en Afrique, elle contracta la malaria et mourra à peine à 56 ans, le 27 août 387. Parmi les nombreuses choses écrites à propos de sa mère, à laquelle il resta redevable toute sa vie, Saint Augustin dit « Je lui suis redevable de tout ce qui vit en moi et encore dans les confessions. Elle m'a généré avec sa chair afin que je naisse à la lumière du temps et avec son cœur afin que je naisse à la lumière de l'éternité. » Prière de Saint Augustin pour sa mère Sainte Monique. Ce qui fait couler les larmes, Seigneur, que je répands devant vous pour votre servante, c'est l'appréhension qui s'empare de moi quand je considère les périls de toute âme qui meurt dans la condition des enfants d'Adam. Car quoique ma mère ait reçu en Jésus-Christ une vie nouvelle, et qu'avant de quitter sa chair, elle ait vécu de telle sorte qu'on puisse louer votre nom pour la pureté de sa foi et de ses mœurs, je n'oserais dire cependant que depuis sa régénération par le baptême, il ne fut sorti de sa bouche aucune parole contraire à vos saints commandements. Malheur à l'homme, quelque louable que soit sa vie, si vous jugez sans miséricorde. Je viens donc vous prier de remettre à ma mère ses péchés. Écoutez-moi par les mérites de Jésus, qui fut cloué à la croix pour se faire le remède de toutes nos plaies, et qui, assis maintenant à votre droite, intercède sans cesse pour nous. Je sais que ma mère a usé de miséricorde et pardonné du fond de son cœur à ceux qui l'avaient offensée. Pardonnez-lui donc aussi les fautes qu'elle a pu commettre envers vous pendant les années qu'elle a vécues depuis son baptême. Pardonnez-les-lui, Seigneur, je vous en supplie, pardonnez-les-lui et n'entrez point avec elle en jugement. Que votre miséricorde l'emporte sur votre justice, puisque votre parole est vraie et que vous avez promis miséricorde à ceux qui auront été miséricordieux. »